Maman, écoutez ce qui passait. Né le 19 janvier 1921, Keïta Fodéba est le créateur des ballets africains avec lesquels il a effectué une série de tournées triomphales dans le monde. À travers son œuvre présentée sous forme de légendes contées et chantées, il a essayé de restituer la mémoire populaire d'une façon poétique. C'était l'aube, combat du jour et de la nuit, et de la terre de Guinée sur un rythme. Un rythme qui creuse les reins, noue les gorges et dénoue les corps. Un rythme qui enlace terre, ciel et chair ensemble. Le rythme de Keïta Fodéba, c'était l'aube, combat du jour et de la nuit. Et de la terre de Guinée sort une parole de pierre, une parole d'épine, la parole du lion, la parole de Keïta Fodéba. C'était l'aube. Keïta Fodéba, le créateur des ballets guinéens, est mort au camp Boao. Mort prisonnier parce qu'il avait l'âme libre.